Salut tous, c'est Luni, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on va collectionner des motos. Et bien oui, des motos de millionnaires, de milliardaires, des motos de mecs en fait super riches. Alors c'est vrai que c'est des motos qui vont être très rares et très sympathiques. En tout cas, aujourd'hui je me suis dit, vous savez quoi, on va faire les motos. Parce que j'en ai marre de voler des voitures à chaque fois. J'ai dit, vas-y quoi, on va faire les motos, on va voir ce que ça donne les motos. En tout cas les gars, on est parti pour aller voler ces magnifiques motos de millionnaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas que ce soir on est en live à 21h pour le RP France. Troisième épisode, n'hésitez pas, l'aventure vient de commencer, donc vous pouvez venir y regarder et suivre l'aventure. Donc n'hésitez pas, c'est pour nous, allez. Ok les gars, on est parti pour voler cette première moto. Alors on est actuellement sur GTA 5 dans une sorte de beach bar, Los Santos Paleto Bay Beach Bar. Alors je sais pas du tout ce qu'il y a ici, mais en tout cas c'est nouveau. Et ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment stylé, les gars. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. C'est en fait, c'est clairement un truc où les meufs dansent et tout. Il y a des meufs qui dansent de partout. C'est en mode soirée, quoi. C'est vraiment en mode soirée. Ok, alors là, il y a un gars qui prend une photo. Qu'est-ce qu'il prend en photo? La moto? Ok, d'accord. Le mec prend en photo cette... Enfin, je sais pas s'il prend la moto ou pas. C'est cette première moto, du coup, les gars. What is this shit? C'est pas une ZH... C'est une Honda, les gars, ouais, c'est une Honda. Ok, Honda ZH12. ZH2, je crois. ZH2, je sais pas si... Bon, pour ceux qui s'y connaissent en moto, vous devez connaître. En tout cas, c'est cette première moto qu'on va voler. Elle est magnifique. Je kiffe. Regardez-moi ce bolide. What is this? Prends... Est-ce qu'on reste ici ou pas? Non. Bon, on fait comme si de rien n'était, les gars, on fonce, hein. Je veux dire, moi j'ai pas peur, au bout d'un moment vous me y aller tranquillement les gars, voilà, hop. Ok. Et on est parti les gars pour cette première moto ZH2. Elle est incroyable, elle est vraiment très très belle. On va aller la ramener tranquillement chez Franklin. En tout cas je valide fortement. Ok les gars, on arrive juste à côté. Et on va garer la moto. Bah on va la garer juste là, j'ai envie de dire. Juste là. Je vais montrer en première personne ce que ça donne. Elle est vraiment belle les gars. Oh, je kiffe. Attendez, on va enlever son casque, on a une meilleure vue. Elle est trop belle. Voilà, première moto ZH2. Pas mal, du coup on est parti pour aller chercher les autres motos, à tout de suite. Ok les gars, on est actuellement devant le casino pour la deuxième moto. Je vais me mettre tranquillement, tout discret. Alors elle m'a dit devant le casino, il n'y a qu'un qui garde sa moto. Waouh. Alors par contre, il y a un garde, les gars, j'ai peur. Il y a un garde, les gars, faut qu'on l'abatte. Il faut qu'on abatte ce garde. Ok, go. Go, les gars, avant que ça soit alerté, vite. Faut speeder. What is this shit? C'est quoi cette moto? Je peux même pas la profiter, je peux même pas regarder ce qu'elle est. Je peux pas regarder à quoi elle ressemble. Et on est parti pour voler cette première... Enfin, cette deuxième moto et cette... Allez, SDC, tu tombes, voilà. Je suis un mauvais conducteur, les gars, Vite, fonce. Non, mais là, il y a les filles derrière moi, c'est fini. Elle est trop belle. Elle est beaucoup trop... Bon, j'ai failli me faire shooter encore une fois. Elle est beaucoup trop belle, cette moto. Non, mais attendez. Les gars, s'il vous plaît. On va se garer tranquillement. Je pense que là, il n'y a plus personne qui nous suit. Ah ouais. What the fuck? C'est une truc de... C'est une moto de quoi ça? PS5 combat. C'est une moto d'un jeu? Je sais pas ce que c'est comme moto, s'il y a des connaisseurs, mais en tout cas elle est magnifique. Là pour l'instant, on a eu deux motos. Et deux motos qui sont tout simplement incroyables, les gars. Elles sont incroyables. Voilà, je le dis, elles sont vraiment incroyables. On va aller la garer. Et du coup, on est parti pour voler une troisième moto. Ok, let's go to the party. Let's go pour poser. La deuxième moto. Hop, tranquille, on la met là. Voilà. Elles se ressemblent. Hein. Elles sont grises les deux. Mais non, elles se ressemblent pas du tout. Mais je veux dire, elles sont grises les deux. Mon coco là, il y a un peu de rouge. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais devant, j'ai l'impression que le pneu est plus gros. Ou c'est peut-être un effet d'optique. Ouais, si. Derrière, le pneu est plus gros que devant. Voilà. Regardez, hop, ça c'est tout petit. Derrière c'est un peu plus gros. Bon après ça c'est les motos j'ai envie de dire. En tout cas, deuxième trouvaille plutôt sympathique. On est parti pour aller chercher une troisième moto. Let's go. Ok, troisième moto les gars, c'est un peu chaud. C'est au commissariat.
Ok, je sais quoi faire. C'est dans les garages, là. C'est dans les garages du commissariat. Par contre, le problème, j'ai peur que la police soit avertie. Donc, ce qu'on va faire. Oui, les gars. À force de jouer à GTA 5 RP, on connaît les endroits. Ouvre-toi. Ouvre-toi. What is this shit? Tenen. Attendez. Y a pas d'alarme ou quoi? What is... C'est quoi ça? Nagasaki pigeon. Ok, bon, ça porte bien son nom. Voilà, si tu veux être un pigeon. En tout cas, ouais, c'est un scooter. Hein. C'est un scooter 3 roues. Enfin, c'est une moto 3 roues. C'est un sort de scooter, j'ai l'impression. Elle est magnifique. Alors, c'est bon. Là, c'est pour les flics riches. Ou... Je sais pas si c'est pour les flics riches ou pas. Mais en tout cas, ce véhicule, on n'a pas l'habitude de le voir sur GTA V. En tout cas, il est vraiment. Vraiment. Voir si je mets les alarmes. Non, ils s'en foutent. Ah si, non, en fait, ils s'en foutaient pas. Attendez, je vais arrêter quelqu'un, les gars. LSPD, stop the véhicule now! Ah, il s'arrête, hein. Il s'arrête, le petit. Bon, en tout cas, on va ramener ça tranquillement. Et let's go. Et oh, t'arrêtes de me couper la route, toi. Hein. Ok, troisième moto. Pas mal. Je vais la mettre où, cette moto? Tiens, je vais la mettre là. Genre derrière, comme ça, hop, avec les gyros. Là, on est pas mal. Là, je pense que comme ça. Quoique, ça gêne un petit peu ici. Je gêne peut-être la porte. Je vais la mettre comme ça, je pense. Ouais. Elle est stylée. Je vais vous montrer l'intérieur. Attendez. Regardez l'intérieur. Attendez. Hop, hop, hop. Hop, hop. L'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérieur. Ah, il y a un pigeon. C'est un pigeon. Ouais, c'est un pigeon. Regardez. Le bouton à droite, c'est des pigeons. Et même le compteur, c'est des pigeons. C'est trop stylé. J'aime bien cette voiture. Voilà. Pour moi, dans les commandes. Ah, il y a un pigeon aussi devant. J'avais pas remarqué. Regardez, il y a un pigeon. J'avais pas remarqué du tout. Du coup, les gars, dans les commentaires, dites-moi aussi quel est votre préféré. Donc, entre les trois premiers, il nous en reste encore pas mal à aller chercher. Donc, on va aller chercher ça. C'est parti. Let's go. Ok, les gars. Club de golf. Qui dit club de golf? Bah, forcément, dit personne aisée. Hein, dit personne riche. Donc, là. Ça va être tendu, donc elle m'a dit qu'il y avait une moto ici. Forcément, club de golf, je pense qu'on va trouver une dinguerie. Elle m'a dit sur le parking, je sais pas si c'est le parking de devant ou derrière. En tout cas, je vais prendre ce qu'elle a dit pour me promener. Hein. Ouais, je pense qu'ils vont rien me dire. Bonjour, bonjour, je suis. Je travaille au golf, effectivement. Je suis le mec qui fait l'entretien. Je vais tout simplement me balader et trouver des magnifiques motos. Salut toi là-bas, comment vas-tu? Je vais me garer tranquille les gars, comme si t'as rien été. On se gare les gars, on a un mec qui travaille ici. Enfin je veux dire, moi je travaille ici, je bosse ici quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, c'est narlé. C'est narlé. C'est une harlée. Regardez-moi ça. Harlée les gars. Ah ouais, les magnifiques. Quatrième moto. Oh là 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 là. Elle est beaucoup trop belle. Là, je dois vous avouer que là, on a passé quand même un level. Là, on a passé un level au-dessus. Là, en termes de richesse, quand même. C'est l'Harley, hein, regardez, c'est écrit juste là. Harley Davidson. Oh là là, elle est trop belle. Par contre, le compteur, un peu bizarre. Mais en tout cas, elle est magnifique, elle est trop belle, elle est vraiment trop belle. Pense que là, les gars, entre les quatre, honnêtement, moi, ça reste ma préférée. Voilà, honnêtement, ça reste ma préférée. Elle est trop belle. Regardez le devant et tout. On dirait un peu une, je sais pas si vous connaissez un peu sur GTA la bagarre. C'est un peu le même genre, mais là, c'est gnarlé quoi. Ça n'a rien à voir quoi. Je veux dire, c'est là, on est sur un stade. Oula, faut pas que je fasse d'exemple. On est sur un stade au-dessus. Bah, cette moto, honnêtement, c'est la meilleure pour l'instant. Et on va aller la garer tranquillement en haut. Même si, quoique, les motos qu'on a eu avant, attention aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Ok, let's go. Hey, salut toi. Bonsoir. Je vais la mettre là. Je pense qu'on est pas mal si je la mets. Genre, comme ça. Ouais, je pense qu'on est bien. Par contre, ça, je vais l'enlever. Voilà. Je vais la mettre là.
Elle est belle en grise comme ça, j'aime bien. J'ai remarqué les motos qu'on chope de riche, je sais pas ce qu'ils ont avec le gris, mais ils aiment bien le gris. Il n'y a que du gris, c'est abusé. Bon, on est parti pour aller chercher la cinquième, les gars. Cinquième moto. D'accord. Alors, elle m'a ramené ici, elle est flic. Qu'est-ce qu'ils font, les flics? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont perdus. Alors, il y a quelqu'un qui s'est fait voler sa moto. What the fuck, ça part en couille. Ok, je vais en profiter. Ça part en couille, les gars, ça se tire dessus, tout, regardez. Ça se tire dessus, les gars, on est bon, on est bon, on est bon pour aller voler les X-Max. Il y a quelqu'un qui s'est fait voler son X-Max, les gars. Il y a un riche qui s'est fait voler son X-Max devant l'école. Donc, on va aller tout simplement le récupérer. Ah ouais, non, mais j'arrive, il y a un gunfight. Non, mais vous imaginez le truc, vraiment. Les flics sont arrivés, il y a un gunfight, et moi je vais voler le X-Max. Hein. Wow, c'est stylé. Vas-y, lève, 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 lève. Est-ce qu'on peut lever? Par contre, ils fuient tous. Trop, 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 trop beau. Le X-Max, c'est vraiment trop beau. À vous de me dire encore une fois dans les commentaires quel est votre véhicule préféré. Là, on a comme un level au-dessus aussi. Hein. Cinquième moto. Bon, c'est pas une moto. Enfin, si, c'est considéré comme une moto quand même. Mais là, honnêtement. Oh, 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 ça cabre, hein! Regardez, regardez. Oh, oh, ça cabre, les gars, c'est stylé! Par contre, est-ce qu'il bombarde le X-Max? Ouais, je crois qu'il a l'air quand même de bombarder. Je vais mettre en première personne. Wouah, stylé en première personne. Là, le X-Max, quand même, il relève un peu le niveau. Il bombarde. Wouah, 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 il bombarde, mais c'est quoi la vitesse là? What the fuck? Moi qui ai offert un X-Max à la salle. Là, honnêtement, je sais pas si je roulerai comme ça dans la vraie vie, quoi. En tout cas, c'est cette cinquième trouvaille. On va aller. Bah, on est juste à côté, on va y aller. Et. Cap, cap devant les voisins. Cap devant les voisins, montre que t'as un X-Max quand même. Bonsoir. Oh. S'il te plaît, touche pas mes motos, toi. Reste tranquille, sinon je vais devoir te. Bah oui, te faire du mal. Je vais te faire clairement du mal si tu touches ma voiture hein, et mes motos. Et donc là, le petit X-Max qui va venir ici. Alors attendez, je vais enlever la moto. Voilà. Hop, par contre, ça a un petit peu bougé. Voilà, on va la remettre. Voilà. On commence à être pas mal. On commence vraiment à être pas mal. On a actuellement 5 motos. Ça change de. Bah, de ça, quoi. Ça change clairement de ça. Donc, si je vous dis, c'est le bagueur, ça ressemble un petit peu quand même à Harley, hein. Par rapport à celle-là, ils se ressemblent, ils se ressemblent beaucoup. Ouais, je dirais même, j'ai l'impression que c'est même celle-ci. C'est un peu les mêmes. C'est parti pour la sixième moto. Actuellement, près d'une villa. Une villa de riches, hein, j'ai envie de dire. Alors, elle m'a dit que c'était cette maison. J'ai reçu la photo. Par contre, je sais pas si c'est sécurisé ou pas. Ok. Ok, déjà là, il y a un vélo. Je pense que je vais passer par là. Doucement, doucement, les gars, doucement. Faut pas qu'on fasse ce bruit. Oh, ah ouais. Ok, pas mal. Ah oui, magnifique la piscine, les gars. Magnifique. Par contre, c'est normal, il y a un buisson. Ok, on fait que non, les gars, normal, normal. Discret, discret. On va aller là où il y a les garages. Les garages, les garages, les garages. Oh, ok. Ok, les gars. C'est quoi ça? C'est quoi cette moto là? C'est un scooter ou c'est une moto ça? Oh, pourquoi on dirait une roue de vélo devant? Alors là, honnêtement. Ah ouais, par contre, elle fait des roues. Ah oui. Wow. Elle fait des roues, elle fait des roues. Alors, je sais pas si c'est un scooter ou c'est une moto dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à me dire selon vous. Bah, quel est le meilleur véhicule pour l'instant? Mais là, honnêtement, waouh! Attendez, je lève. Oh, elle lève bien. Mais je crois que c'est une mobylette, non? Ah bah, je suis tombé. Bon, on va pouvoir voir les roues. Waouh! En tout cas, les roues, elles sont trop fines, les gars. Je sais pas ce que c'est exactement. Je dirais plus une sorte de moto mobylette. Enfin, une sorte de scooter mobylette. En tout cas, cette trouvaille, elle est vraiment pas mal, les gars. Et on va aller tout simplement ramener ça. Hello! Bonsoir, mesdames. Eh ben, toi, je vais te mettre là. Voilà. Parce que, tu vois, il y a un peu trop de vide ici, je trouve. Voilà. Et c'est notre trouvaille du jour, encore une fois. Une magnifique mobylette. Je sais pas si c'est une mobylette ou si c'est une moto. En tout cas, là, on est pas mal. Hein. On est à 6 motos. Franchement,
Je trouve que là on est bien. Ok les gars, on est parti pour la dernière moto et regardez-moi cette dinguerie qui se trouve juste là. Ok. L'air d'avoir personne. Ah si, quand même, il y a des gens. Il y a des gens, ça craint un petit peu. Je vais peut-être tenter un coup de bigot. Je pense que je vais mettre une... Non. Non, non, non. Ok. Je vais tirer. Ça va dégager tout le monde. Ça va dégager tout le monde, les gars. Par contre, elle veut pas dégager. Toi, tu vas dégager. Wow! Oh, il y avait un chien avec elle. Oh, le pauvre chien, il a pu le mettre. What is this shit? Alors, par contre, c'est quoi cette moto? Elle tire? Oh my. Ah, elle vole? Non, elle vole pas. Ah, attendez, je comprends rien à la moto là. Je comprends rien à cette moto, les gars. Est-ce qu'il y a un boost? Oh, il y a un boost! Ah oui, d'accord, elle vole effectivement. Waouh! Ah ouais, ça c'est ce moto là. Attends, c'est mes dernières motos les gars. On a chopé une moto de malade mental. Ok, attendez, je vole. Magnifique. Magnifique. Bon, par contre, faut qu'on aille chez Franklin sans qu'est. Pouhou. Pourquoi j'étais dans une maison? Ok. Oh, j'ai réussi à gérer. J'ai réussi à gérer. On atterrit pas loin. J'ai encore un boost. Wow. C'est cheaté, les gars. Ah ouais. Là, honnêtement, je pense que c'était le clou du spectacle. C'était la dernière qu'on va garer tranquillement juste derrière, les gars. Alors, à vous de me dire dans les commentaires quelle est votre moto préférée entre les 1, 2, 3. Bon, on en a 7 maintenant. 7 motos. À vous de me dire. Moi, pour l'instant, c'est vrai que la première, elle est belle. La dernière, elle est belle aussi, mais c'est plus moto volante. J'aime bien celle-là aussi. Hein. Moi, je pense que c'est celle-ci, ouais. Je dirais la 2. Voilà, 2. À vous de voter dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle prochaine marque de véhicule vous voulez que je vole, quel prochain véhicule. Sur ce, les gars, eh bien, on s'est là-dessus. N'oubliez pas que ce soir, on est en live à 21h pour le GTA 5 RP suite épisode 2, enfin épisode 3, du coup, 1, la suite du RP. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et sur ce, ciao, ciao.